She's upside down inside her head. She dines at noon, breakfast at 12. It's hard to know when you find her in bed. Je crois que c'est un accélérateur pour plein de gens qui ont eu des idées un peu folles de partir, de vivre une autre vie, qui se sont dit bah, peut-être c'est le moment. Loin d'être considérés comme des Amish, ici on utilise toutes les nouvelles technologies, on ne renonce à rien, mais par contre on s'ancre dans des valeurs qui peuvent permettre de faire émerger une autre proposition de vie sur Terre. Déjà tu te sens moins seul parce que tu dis il y a d'autres moustiques qui ont les mêmes idées et tu vas chercher chez les groupes qui ont 5, 10, 15 ans d'âge. Comment vous faites là avec ce problème? C'est-à-dire c'est pas parce qu'on l'a construit, ça y est c'est bon. En fait non, c'est ça y est, ça démarre déjà, c'est le début de l'aventure en fait, le vivre ensemble. Et du coup on a plein de problématiques qui sont très différentes de celles à l'étape projet. On est installé dans un village, on a un projet de rénover le lieu où on habite, d'en faire quelque chose d'écologique et aussi de créer du lien sur le territoire. Et donc ici, on est vraiment dans le creuset de ce qui se fait de mieux dans ce domaine. En regardant des projets, on se dit ils ont abordé ça de telle ou telle façon, ils ont rencontré telle ou telle problématique et ça nous permet d'ajuster nous aussi du coup notre vision en fonction des retours et des échos qu'on peut avoir. Témoignages de gens qui sont déjà dans des écolieux et de savoir qu'est-ce qui existe, comment c'est géré, comment les gens vivent, comment ça se passe. Et là on a l'occasion de rencontrer des tas de choses qui se font et ça donne un extérieur qui est parfois super apaisant, salvateur, enrichissant, enthousiasmant. Du coup il y a un vrai enjeu à re-savoir vivre en communauté, re-savoir vivre en collectif. Et pour moi, c'est une des réponses des grands enjeux de la solitude, des problèmes sociétaux, de l'écologie.